Pendant que tout le monde est en train de parler du beef entre Drake pis Kanye, il y a un bail qui est passé inaperçu. C'est rendu que maintenant les acteurs de Vrak TV font du rap québécois. Yeah, ce gars-là, ben c'est rendu lui. Hey yo! Est-ce que c'est Pierre-Luc Funk à quatre pattes avec une laisse en train de japper comme un chien? Patiné, barefoot pis tout là! What the hell is this? What the f*** is going on? Attends, c'est pas Ricardo Troji? Bro, c'est 1981. Bro, this is a whole ass réunion de tactique. Parce que t'as Samuel, t'as Michael, pis t'as Diego. What kind of kinky ass shit is going on here? Piano, get your freaky ass on. Est-ce que c'est un vidéoclip de musique ou c'est un shooting for OnlyFans? Je sais pas si les partenaires ont comme un fetish d'être comme la puppy girl sur OnlyFans, mais juste de voir Pierre-Luc Funk à quatre pattes comme ça, c'est rendu mon sleep paralysis demon. Parce qu'il y a un petit peu trop dans le personnage. That's kind of sus. I don't know about that, bro. Si tu le compares lui à Ricardo Troji, lui, ça paraît qu'il est pas down d'être là. Comme, genre, au début, il avait accepté. Il a dit, ouais, je vais le faire. Mais quand ils ont sorti les laisses, c'était comme, non, cancel le projet. Genre, check sa tête. Check sa mort f***ing tête. Il est pas sous ça, bro. En plus, il est dans la mi-vingtaine. Ça, c'est l'âge que les genoux commencent à craquer pour rien, là. Comme si c'est tough, là, d'être à quatre pattes comme ça, là. Genre, ça paraît que le partenaire a besoin d'un petit Roblox platine. Robert. Tu sais de quoi je parle? Le bain avec le bonhomme en bois là, qui ont mal au dos là, il y a besoin de ça. This n***a's on drugs. He's on drugs, right? This Vrak TV ass n***a. Ils ont hella drugs. Tu peux me dire le contraire. Comme c'est clair que ce gars-là, avant d'aller au studio, il a mis de la manlée dans sa bouteille d'eau. Il a dit mot pour mot et je cite. Je suis un crypto boss, je me transforme en gangsta dragon, j'ai peut-être un micro pénis, mais j'ai une crise de grosse unicouille que je place en dessous de mes fesses qui me sert de tapis de yoga. First of all, ça rime même pas. Même pas un petit peu, genre pas du tout. Deuxièmement, le partner a littéralement 30 ans, puis s'habille encore comme Ness dans Super Smash Brothers. Pis qu'est tonne de faces! Troisièmement, cette line-là fait je me prouver que les artistes du showbiz québécois sont sur des drogues dures 24 heures sur 24. Genre c'est clair que les partners sont buzzés, ils ont sûrement microdose la LSD ou de quoi, mais comme for sure, Pierre-Luc Funk lui est sous crack. Matter of fact, même moi je suis rendu high après avoir vu ce vidéoclip là, parce qu'on comprend même pas qu'est-ce qui se passe, c'est juste un fever dream. Est-ce qu'il a dit pète pis répète? Le gars il rappe comme un animateur de camp de jour qui a trop pris de Monster le matin. Et juste à cause de ça, je pense que je vais arrêter de parler de caca sur Corias. Tu sais, je fais des petites blagues sur Corias, mais au moins Corias il drop pas des dookie bombs comme ça. Comme this is straight boo boo. Comparé à ça, Correa, c'est Kendrick Lamar. Vous vous souvenez quand Jake Paul a dit « It's every day, bro, with the Disney Channel flow? » Mais ça, c'est le Vrak TV flow. Est-ce que vous l'avez peut-être pas reconnu, mais ça, c'est Pierre-Luc Lafontaine. By the way, je sais que Pierre-Luc Lafontaine, ça sonne comme un écrivain belge du 19e siècle. Mais en fait, c'est un acteur québécois qui a joué dans Jérémy, Subito Texto et District 31. Puis maintenant, il y a son rap duo qui s'appelle PL and Willie. Puis il a sorti un beat qui s'appelle Baba Papa. Puis il a ramené toute l'UDA au complet dans son vidéoclip. C'est le plus gros crossover depuis Avengers Endgame. T'as des panneaux de Ramdam, Tactique, Fugueuse, Yamaska, 30 vies, L'Auberge du Chien Noir, Unité 9, Le Chalet, tout dans le vidéoclip. Même Xavier Dolan est crédité dans la production. On a enfin atteint le summum du rap gentil au Québec, puis some way, somehow, c'est de la faute à Fouki. I don't know how, mais moi je blâme Fouki. C'est de la faute à Fouki pis son ostune de spaghetti pain à l'in, bro. Spaghetti pain à l'in, spaghetti, toujours plus de parmesan. Toujours plus de parmesan, hey, toujours plus de parmesan. Tout, yeah, cette tune là, c'est à cause de ça que maintenant on est pogné avec un boy de 30 ans qui dit des bails comme je suis un prépuce moustachu à la conquête de mon rêve. Vous pensez que je niaise? Non, il dit vraiment ça. Je suis un prépuce moustachu à la conquête de son rêve.
Je suis un prépuce moustache, je suis à la conquête de son rêve. Il dit aussi des bails comme « Mon père, c'est pas mon père, c'est ma sœur ». Je sais pas, c'est comme un message codé parce qu'il vient d'une famille incestueuse du Saguenay, but this ain't it, bruh. Mon père, c'est pas mon père, c'est ma sœur. Mon père, c'est pas mon père, c'est pas mon père, c'est pas mon père, c'est pas mon père. Mon père, c'est pas ma sœur. You're not my dad! You also hear something! On parle peut-être caca sur PL & Willy parce que c'est un rapper qui vient de Vrac TV, mais ce vidéoclip est monumental pour le Québec parce que PL & Willy, c'est peut-être notre première industry plant. Une industry plant, c'est un artiste qui a été choisi par un label pour être la prochaine grande superstar. Puis leur succès, il est fabriqué de toutes pièces. Comme il y a du monde, par exemple, qui accuse Billie Eilish d'être une industry plant. Puis pour ce qui est de PL & Willy, guys, c'est une hypothèse. Tout ce que je dis, c'est allegedly, je n'accuse personne de rien. C'est du fair use parce que PL & Willy, son boy, c'est Pierre-Luc Funk. Puis Pierre-Luc Funk, il est backé par François Legault. Fait que j'ai pas envie qu'il envoie la GRC chez moi à cause d'une petite vidéo, là. Je veux pas start a conspiracy, mais je me demande si PL & Willy fake leurs views ou ils fake leurs streams. Parce que le clip a été posté il y a 2 semaines. Puis moi, ça fait 5 jours que je travaille sur la vidéo. Puis depuis 5 jours, la vidéo avait stagné entre 20 000 puis 24 000 views. Genre, ça avait passé dans le beurre. Puis étrangement, maintenant, la vidéo est rendue à 70 000 views. Puis je m'en suis rendu compte parce que la nuit du 7 septembre, je checkais le clip. Puis après, je suis allé me coucher. J'ai pas fermé mon laptop. J'ai juste baissé l'écran. Puis quand je me suis réveillé, j'ai checké la vidéo. Mais la page buguait un peu. Donc j'ai refresh. Puis j'ai vu les views monter de 24 000 à 41 000 comme ça. Juste pendant que je dormais. J'ai dormi peut-être 4-5 heures. Puis les views ont quasiment doublé ce qu'ils avaient fait en 13 jours. J'accuse personne de rien, guys. C'est juste un questionnement. Après, je suis allé sur Social Blade. Social Blade, c'est un site qui te montre la progression des views d'une chaîne YouTube au complet. Mais plus que c'est la seule vidéo qu'ils ont postée, c'est comme si tu tracks les views du vidéoclip. Et comme de fait, la première journée, la vidéo est passée de 0 views à 1500. Normal. Deuxième journée, un autre 6000 views. Normal. La troisième journée, on est un autre 2000 views, normal. Puis ensuite, quand le hype a baissé, ils obtenaient entre 700 et 1500 views par jour pendant une semaine et demie. Et out of nowhere, 2 semaines plus tard, ils guettent un 33 000 views en une journée. Ce qui est weird, c'est que le nombre de views a plus que doublé, mais le nombre de commentaires est resté au même. Ça n'a pas changé. De 24 000 à 60 000 views, le nombre de commentaires est resté à comme 83-87 commentaires. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas curieux? N'est-ce pas suspicieux? Puis en plus, tu peux voir le jump de jour en jour. 20 000, 21 000, 22 000, 23 000, 24 000. Boom! Une journée, 57 000. Aussi, quand j'ai commencé à traquer le nombre de views, à 8h58 du matin, la vidéo avait 42 000 views. Et à 9h15, la vidéo avait 43 000 views. Donc, c'est pas un peu bizarre que la vidéo qui obtenait 1000 views par jour pendant une semaine et demie a réussi à avoir 1000 views en 15 minutes? We hear nothing. That's suspicious. That's weird. En plus, j'ai traqué la vidéo depuis une semaine parce que j'étais intrigué. J'ai vu les views rester au même niveau. Puis là, boom, out of nowhere, ça le bump sans faire aucun bruit sur les réseaux. J'étais allé voir si d'autres personnes fameuses ont peut-être share. Genre, j'étais allé stalk Matsba, XQC, Lisanne Nadeau, Guilla Lepage, Rachid Badouri. Personne n'en a parlé. Je suis allé voir sur TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Rien. Zéro. Même pas un meme. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y a une reaction channel qui a fait une vidéo de reaction qui a juste 1000 views. Puis le gars dans la vidéo, il dit qu'il s'est fait envoyer le clip par du monde chez Universal. Universal Canada. My proposal to fair set video. Puis c'est là que j'ai réalisé que PL & Willy sont signés chez Universal. Pas Joyride ou 7e Ciel. F***ing Universal Music Canada. Puis aussi Xavier Dolan a commenté ça sur un post de PL. Peux-tu me contacter pour qu'on parle du manque d'envergure de la campagne? Inbox pour bon tuyau.
Coup de pub et bon corpo à venir. Cash facile, belle opportunité. Il se peut que peut-être, que probablement, ils ont tellement investi d'argent dans une méga production qu'ils peuvent pas se permettre de pas avoir de views. Soi-disant, allegedly, mais pense-y, en mai, le gouvernement a donné 27 000 $ à Pierre-Luc Fong et Sarah-Jeanne Labrosse chaque juste pour qu'ils fassent un speech sur le COVID avec François Legault. Pis ces deux-là, Pierre-Luc et Sarah-Jeanne, sont dans le vidéoclip. So imagine combien de cash ils ont dû payer pour avoir tous ces acteurs-là. So moi je dis ça, mais moi je dis rien, ok? Je fais juste montrer ce que j'ai remarqué. Je n'accuse personne de rien, mais... I want the world to know, you can buy number ones. If you're part of a label, just say, listen, I want part of my budget, just buy me a number one record. En passant, je suis pas en train de dire qu'ils ont trafiqué les views, juste en train de dire que ça se peut que la progression n'est pas faite de manière organique. Pis c'est pas un concept qui est si farfelu que ça. Genre G-Eazy puis French Montana sont déjà fait cut à avoir des fake streams. How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoke and mirrors, niggas ain't really big as they seem. Yo, Pierre-Luc Lafontaine, si t'es pour faire du rap, puis approprier du AAVE, puis du black slang, est-ce que tu peux au moins update ton système? Parce que là, t'es quelques saisons en retard, là. On est rendu en 2021, puis tu parles encore de YOLO, puis de swag, puis de little bow wow. Crypto money, YOLO swag. Crypto money, YOLO swag. Green bow wow, can you get it pop? Hey gros, moi je connais ça là, tu sais le hip-hop là, tu sais là avec les noirs là, tu sais les noirs là c'est des yo man là, pis ils sont fresh avec leur bling bling, pis leur rock-a-wear là, pis genre tu sais ils écoutent genre du G-Unit dans le tapis là, pis ils font du breakdance, pis ils get jiggy with it là. By the way, check ça pis damn, y'a même pas un seul noir dans le vidéoclip bruh. Même pas un dans un vidéoclip de rap. Je suis même pas fâché, je suis juste saisi. So, y'a personne qui peut hit them folks là. Personne qui peut faire un hit them. Personne qui peut faire un petit. Wow! So, y'a personne qui peut faire un petit. Y'a personne qui peut faire ça. Y'a personne qui peut twerk. Personne peut twerk sur le patinet. Il a réussi à get Antoine Olivier Pilon, Élise Guibeau, Joey Scarpellino. Puis il n'a même pas réussi à get un noir, un latino ou un arabe. Where are the black people? Like... Puis t'as l'autre white boy avec des vieux cornrows, l'autre white boy avec des vieux box braids. Au moins, il aurait pu faire comme les Dead Obies, puis juste mettre 2-3 light skin, juste pour faire semblant. Juste comme si que, t'sais, like this is the whitest shit ever. Le vidéoclip est plus blanc qu'une feuille mobile. Y'en a qui vont me demander pourquoi est-ce que ça me dérange qu'il n'y ait pas d'immigrants dans un vidéoclip de rap. Honnêtement, ça me dérange même pas. It just looks weird, ok? C'est du rap gentrifié, c'est tout. C'est comme si t'allais dans un buffet coréen, pis y'a aucun asiatique qui travaille dans le resto. Y'a quelque chose qui est off, pis je suis pas le seul à penser ça, là. Pis souvent dans mes commentaires, surtout sur TikTok, y'en a qui pensent que je hate juste parce que je suis un noir pis j'écoute de la musique de noir. Guys, littéralement dans ma vie, j'ai écouté plus de Marimé que du Tizo. So no disrespect, quand je dis que PL and Willy, c'est du rap de blanc, c'est même pas pour être méchant. Je dis juste la vérité. Ce genre de musique a été créé pour le genre de caucasien qui fréquente les foufounes électriques. Genre si tu joues ça à un barbershop ou à la chicha, ils vont te jeter par la fenêtre là, trust me. Et en plus, un des pionniers du rap keb, Yes McKen avec les Dead Obies, il est du même avec moi. Lord Larry Just, Dead Obies, avec leur ensemble. Tu peux t'entendre dire le mot rap keb du plateau? C'était pas ça, yet. Moi, je trouve qu'il y a ça en ce moment, and ouais. I hate that shit. OK. I hate it. J'entends comme tout le monde rapper comme Dead Obies Collation Volume 1, puis genre faire des raps qui parlent de genre des bières dans le parc La Fontaine, puis des Bixi, puis tout ça, puis genre... Parle de genre des bières dans le parc La Fontaine, puis des Bixi, puis tout ça, puis genre... I'm sorry, I hate that shit. I'm sorry. Ouais. I'm sorry. J'aime pas mes enfants. Fait que j'ai l'impression que les médias, quand ont présenté le rap keb, le keb, le rap gentrifié, pas tout ça. Ouais, c'est ça. Vous pouvez l'accepter, puis on peut le vendre, puis on peut le booker dans des shows, parce que toutes les problèmes, entre guillemets, que vous pensez qu'ils vont venir avec, ben, ils viendront pas avec cette gang-là.
Mais est-ce que ça, c'est vraiment l'avenir du rap au Québec? Est-ce qu'à l'avenir, il va falloir avoir des gros acteurs dans tes vidéoclips? Est-ce qu'à l'avenir, on va voir Anne Dorval chiller avec 514? Parce que souvent, on se moque des trucs avant-gardistes. So, est-ce que PL et Willy sont juste trop avancés dans le futur? Pis c'est nous qui vont devoir catch up parce qu'on vit dans un monde où ce que 100 Gex, Lil Xan et Blueface, ils ont une carrière. So peut-être que PL & Willy, c'est the next big thing. Parce qu'on parle très de caca sur PL & Willy parce qu'ils viennent de VRAC TV, mais Drake, lui, il vient de Degrassi. So c'est quoi la différence? Comme si j'avais à donner un compliment, je dirais que le beat est vraiment bon. Si tu comprends pas le français. Genre, si tu parles pas français, tu peux croire que PL & Willy, ils spit du real shit. Mais c'est seulement quand tu parles français, pis que tu comprends, pis tu réalises que ce gars-là, il dit n'importe quoi, là. Il drop des bars sur de la farine dans la graisse de bin. I am genuinely feeling like a strong zero on this record.